أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من نفخه وهمزه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ومولانا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد Je suis en train de réfléchir à cet instant, à la mort. La mort. Même Brel chantait la mort. La mort m'attend comme une princesse. Et puis moi, j'ai pensé à autre chose. J'ai pensé à la mort en tant que signe et en tant que vérité qui devrait ramener toute l'humanité et tous les djinns à se soumettre à la loi de leur Seigneur. Si chaque être humain pensait à ces quelques versets, il comprendra que donc, tout ce qui est sur cette terre va disparaître. « Kullun man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Mais il y a aussi d'autres versets plus éloquents. Il y a Allah Azza wa Jal, Kullu nafsin dha'iqatul maut. Et dans un autre verset, Allah Azza wa Jal yaqul, Innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Et puis dans un autre verset, et là aussi, ce verset va nous appeler vraiment à réfléchir, à méditer sur la mort. Il y a Allah Azza wa Jal, فَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَتُرْجَعُونَ صَدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ Et puis, même la signification de ce que nous répétons devant chaque janaza, et puis même quand on entend que quelqu'un X, Y est mort, on dit إِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَجِعُونَ Mais beaucoup de gens le disent et ils ne pensent même pas à la signification de ce témoignage, de cette shahada, que nous appartenons à Dieu et à lui nous retournons. Donc, je réfléchissais et je réfléchis toujours à cette question qui est donc un signe de Dieu. La mort, il n'y a personne qui va échapper, tout le monde. Riche ou pauvre, malade ou avec sa pleine santé, je ne sais pas, jeune, vieux, homme, femme, etc., sans exception. Et c'est que toujours, en plus de ça, personne ne connaît le jour de sa mort. La mort est un signe qui prouve que nous avons été créés et chacun pour un délai bien fixé, un terme fixé sur cette terre. Il vient et il disparaît, comme ceux avant nous. Ils avaient tous un âge, une naissance et une date de décès. Et ils sont venus, ils ont donc été dans cette vie pour être examinés, ils sont partis. Il y a eu tellement donc cette diversification dans les races humaines, dans la nation, dans les ethnies, dans les fausses religions. Et il y a eu bien sûr les musulmans, nous les musulmans. Je me demande parfois comment que voit la vie un chrétien égaré, un juif, un associationniste, un kafiriste, un athée, un mécréant. Comment qu'il voit surtout, et je dis bien, quand il atteint la cinquantaine ou il atteint la soixantaine, et il sent, parce qu'après la soixantaine, on a devant soi la mort, c'est-à-dire qu'il n'y a plus de projet, il n'y a plus d'ambition, il n'y a plus de trop de plaisir, parce que même les sens vont diminuer, même tous les plaisirs des sens vont diminuer, donc les ambitions, les projets vont beaucoup diminuer. Et ce d'ailleurs, la psychologie sociale et la psychologie
a bien aussi montré que ceux qui travaillent et voudraient s'accrocher ou lancent des projets après cet âge, c'est que c'est des gens que la peur a commencé à gagner leur cœur et c'est pour pratiquement oublier. C'est-à-dire qu'ils se donnent beaucoup de travail, ils s'impliquent dans des affaires, alors qu'ils même parmi eux, des gens qui ont beaucoup d'argent, ils sont pleins de milliards, et pourtant ils veulent travailler réellement. Et ceci s'explique avec la psychologie moderne que ces recherches d'occupation, c'est pour essayer d'oublier un peu leur sort, parce que la tombe les attend, et pour oublier la peur qui commence à gagner, notamment et surtout, je parle des mécréants et des athées, ou ceux qui ont été égarés. Les musulmans, non. Les vrais croyants, au contraire. Quand ils atteignent la soixantaine, ils sont dans une certaine sérénité. Ils font leur prière, ils donc font tous les actes d'adoration et les pratiques d'adoration donc, qui nous sont prescrites par l'islam, par le Coran et la Sunna. Et bon, ils deviennent des sages, ils deviennent des gens qui donnent juste des conseils à leurs enfants, à leurs proches, etc. Et puis, ils vivent sereinement, mais il n'y a pas cette peur dans leur cœur. Il n'y a pas la peur de la mort. Il y a peut-être un peu de crainte par rapport à leur péché, même quand ils étaient jeunes. Ils ont peut-être un peu de crainte parce qu'ils ne savent pas ce que c'est. Parce que quand on va affronter quelque chose qu'on ne connaît pas, comme la mort, on ne sait pas du tout comment que ça va se passer. Quoique les gens, même ceux qui sont morts, n'ont plus donc expliqué la mort. Même ceux qu'on a vus dans les rêves après leur mort, ne nous ont pas dit qu'est-ce que ça a été. Qu'est-ce que ça a été la mort. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, tout simplement, quand il était mourant, il nous a dit, Sakarat al-maut, inna lil-mauti la sakarat, inna lil-mauti la sakarat. Et il répétait ça, et de là, bon, on a compris que c'est vraiment douloureux, parce que si le prophète a senti sakarat, comment nous, qui sommes juste des croyants, nous allons pas donc ressentir ces douleurs, sakarat al-maut. De toute façon, il est donc confirmé que le croyant, quand il va mourir, il est tout d'abord donc bien assisté par des anges, il est bien donc serein, il est lucide, je dirais, c'est très important, c'est-à-dire thabit, lucide, pour donc effectuer la shahada et mourir avec joie, généralement. Et la plupart, j'en ai vu des morts, des visages de morts de croyants. C'est juste à la sortie de Ruh, de la nefs, du corps, nous avons vu sur le visage des signes de grande joie, avec un petit sourire si bon, si bien, si, parce qu'il les yeux ouverts vers le ciel, parce que à la Ruh, elle est montée, et que l'essence, la vue particulièrement, a suivi l'ascension de Sanefs, de Roh Ta'o, qui, quand elle est sortie, et met dans les yeux et sur les lèvres un petit sourire, un petit donc sourire, hein, léger, et des yeux qui expriment la joie. La joie. Ils ont vu quelque chose. Ils ont vu leur lieu qui les attend dans le paradis. Et même les anges qui les accueillaient dans le ciel, etc. Et que le ciel s'ouvrait à eux jusqu'au septième ciel, etc. Mais, bon, je disais ça, mais réellement, c'est le mot « la mort » qui devrait intéresser les gens. Ils devraient, par exemple, comme moi faire maintenant, s'asseoir et essayer de réfléchir un peu à la mort. Regardez, Dieu le dit, « Kullu man alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram » Est-ce que ceci ne suffit pas réellement pour vraiment, c'est-à-dire être croyant, être musulman et adorer Dieu et donc croire à l'au-delà, croire au paradis ou à l'enfer bien sûr. Et cela suffit réellement
Parce que ça, c'est une vérité, tout le monde meurt. Il n'y a pas quelqu'un qui ne va pas mourir. Et finalement, même ces recyclages, ces reproductions dans la nature, que ce soit des végétaux ou des plantes, etc., et ce recyclage aussi, même dans la reproduction humaine, animale, etc., devrait nous donner donc une certitude que donc il y a une fin du monde, il y a un jour de la résurrection. Puis il y a aussi cette shahada et ce doigt, cette prière qu'on dit, ou ce témoignage. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Et mais réellement, si on va en profondeur du sens de cette allocution, de ce témoignage, de cette prière, on peut comprendre réellement le sens comme ça. Parce qu'il ne faut pas le dire par la langue et ne pas réfléchir, ni par, c'est-à-dire sentir le sens, ni par la raison pour comprendre un peu l'essence. Inna lillah wa inna ilayhi raji'un. Nous appartenons à Dieu, à Allah, et c'est à lui que nous retournons. C'est-à-dire que là, il faut comprendre que notre roh qui a été insufflé par l'ange quand on était dans le ventre de nos mères, elle lui appartient. Et la première roh dans Sidna Adam alayhi salam est une roh qui provient de lui. Et c'est pour ça que à lui nous appartenons par ce souffle de roh d'esprit en nous qui lui appartient, et à lui nous retournons après la mort, parce que Dieu doit reprendre ce qu'il a donné, il a mis dans ce corps physique, il doit le reprendre, et là pour le juger, hein, parce que aussi, il faut voir que nous sommes ici pour être examinés. « Wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun » Ça, c'est très important. Et puis, le début de Sourate al-Mulk, Dieu dit « Azza wa Jal »« Tabaraka alladhi biyadihi al-Mulk »« Wa huwa ala kulli shayin qadir »« Alladhi khalaqa al-mawta wal-hayata »« Liyabluwakum ayyukum ahsanu amala »« Wa huwa al-azizu ghafur » Et il l'a dit aussi. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, dans Sourate al-Kahf, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, Alhamdulillah, alladhi anzala ala abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja, qayyiman liyundhira ba'san shadidan min ladunhu wa yubashshira al-mu'minina alladhina ya'maluna as-salihati anna lahum ajran hasana makithina fihi abada wa yundhira alladhina qalu ittakhadha Allahu walada ma lahum bihi min ilmin wala li'abaihim kaburat kalimatan takhruju min afwahihim in yaquluna illa kadhiba فلعلك باخع نفسك على أثرهم إن لم يؤمنوا بهذا الحديث أسفا إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجعلون ما عليها صعيدا جرزا صدق الله العظيم. Nous devrions donc réfléchir et méditer sur ces versets. Réellement, la vie n'est donc qu'un examen. Nous sommes que des passagers. Et comme nous, Algériens, on le dit, « Yamasa'ad qui a fait al-khir » parce que nous trouvons que nos actions, que nos œuvres, que notre bienfaisance à autrui, que même pour nous, c'est la bienfaisance pour nous, c'est l'ibada, c'est l'adoration, c'est la multiplication des actes d'adoration. Et nous sommes pratiquement à la veille du Shahr al-Azim, al-Mubarak, al-Karim, Ramadan, parce que nous, aujourd'hui nous sommes donc le 15 mai, et demain ou après-demain, donc nous allons commencer ce mois merveilleux donc de piété, d'adoration, et surtout donc c'est une occasion d'essayer d'examiner notre nefs, tout d'abord, d'essayer de juger notre nefs, nos actes, ce que nous avons fait jusque-là, pour se repentir et renouveler le repentir et se rapprocher de lui, subhanahu wa azza wa jal, afin que le jour
quand il viendra notre jour, parce que chacun a son jour, a son terme fixé, pour que ce jour, quand il arrivera, nous serions si bien accueillis que nous allons donc nous rappeler que nous avons bien fait de suivre la voie, sa voie, Azzawajal, et nous avons bien fait de suivre notre prophète, et nous allons nous rappeler que nous avons bien fait d'avoir surtout patienté durant les épreuves, d'avoir fait les bonnes actions dans les difficultés, alors qu'on a été par exemple éprouvé, etc. Nous allons nous rappeler aussi que notre dhikr, notre istighfar, notre repentir à chaque fois avait une valeur, il avait de la valeur. Nous allons voir cette valeur, cette importance de vivre, cette importance de méditation, même sur la mort, comme on est en train de discuter aujourd'hui. Allahumma hadina wahdibina. وجعلنا سببا لمن اهتدى والحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا ان هدانا الله والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد اشرف المرسلين وعلى اله واصحابه اجمعين واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.